Ah, je frise le génie, là. Ah, si je continue comme ça, je vais entasser les Goncourt à la cave, moi. Alors, page 2 est finie. La page 3. Sandra entre dans la pièce quand soudain, le téléphone. Ouais. Ah, Babette. Ouais, ça va? Ah bah non, ce soir, c'est pas possible. Bah, je me suis remis à écrire mon roman et je me suis promis d'écrire 20 pages par jour. Alors, il faut que je m'y tienne. Bah, une autre fois, si tu veux. Ouais, c'est ça, rappelle. C'est ça, hein. Salut, Babette. Ça fait 2 mois qu'elle n'a pas donné signe de vie, celle-là. Il faut que l'appelle quand j'écris. Alors, où j'en étais, moi? Sandra entre dans la pièce. C'est un club ou quoi? Ah tiens, salut Vincent. Salut, je vous dérange pas au moins? Non, j'étais en train d'écrire, mais entre. Toujours le même bouquin? Tu sais, généralement, un romancier, ça n'écrit qu'un seul roman à la fois. Je me demande comment vous faites, ça doit pas être facile, hein? Ah bah non, c'est pas facile. C'est une question d'imagination, de talent, de don, quoi. Non, je parlais pas de ça, je parlais des fautes d'orthographe. Quelqu'un qui écrit un bouquin sans faire une seule faute d'orthographe, ça doit être balèze, hein. Ça, surtout, c'est une question d'habitude, hein. Remarquez, hein, vous en faites aussi des fautes d'orthographe. Appel, ça prend 2 P. Appel? T'es sûr? Bah oui, j'ai eu un 0 à cause de ça l'autre jour. Pensez si je m'en souviens. J'écris vite, alors c'est des fautes d'inattention, ça. De toute façon, il y a un correcteur qui reprend tout après, hein. Ah bon? Il y a quelqu'un qui vous corrige? Bah dis donc, vous en avez de la chance. Ouais, bon. Ah, qu'est-ce que tu voulais? Bah voilà, je voulais vous demander un tout petit service, enfin si ça vous dérange pas trop. Bah dis toujours. Les filles sont sorties et moi je dois rester là pour regarder Wendy et David. Ouais, et alors? Et alors, je viens d'entendre à la radio qu'il y avait des soldes au Gigastore pour le dernier album de Rotten Babies. Ah. Vous les connaissez? Non. C'est le plus dément des tubes de hard rock qu'il y a en ce moment. Et vous savez combien ils le vendent leur album? Non. 33 francs, vous vous rendez compte? 33 francs le CD jusqu'à ce soir. Et il te manque combien? Non mais dis donc, je suis pas venu pour vous taper, hein. J'ai assez d'argent pour m'acheter cet album. Bah qu'est-ce que tu veux alors? Bah voilà, enfin si ça vous dérange pas trop, si vous n'avez rien à faire surtout, que vous jetiez un œil sur Wendy et David le temps que j'aille au Gigastore me l'acheter. Je jette un œil sur David et Wendy? Bah oui, vous savez, ils sont sous ma responsabilité et j'ai pas vraiment envie de les laisser tout seuls. Alors ça vous ennuie? Oh, t'es marrant, toi, garder des enfants, c'est pas ma spécialité, moi. Mais c'est facile, y a rien à faire. David dort comme d'habitude, et Wendy joue avec ses poupées. Tout ce qu'il y a à faire, c'est qu'il y a quelqu'un qui soit là, c'est tout. Alors, c'est d'accord? Et t'en as pour combien de temps pour aller acheter ce disque? Oh, une demi-heure, 3/4 d'heure, à tout casser. Et en plus, vous perdrez même pas votre temps, hein. Vous pouvez prendre votre bouquin et l'écrire à côté. T'es drôle, toi. Moi, j'ai l'habitude d'écrire ici, dans le calme. Bon, tant pis, c'est pas grave pour Rotten Babies. Ce sera pour la prochaine fois. Merci quand même, hein. Attends. C'est vraiment important pour toi, ce disque? Bah ouais, c'est que je l'ai pas. Et demain matin, j'aurai l'air fin devant les copains. Bon, bah va l'acheter. Je vais m'occuper de David et de Wendy. Ouais, c'est génial! Comme quoi, faut pas se fier aux apparences, hein. Vous avez l'air d'un naze, mais vous êtes cool. Alors, je dois avoir des hallucinations. Pourtant, j'étais sûre d'avoir vu passer Vincent. Mais c'était lui ou non? Mais j'en sais rien. Quand je suis sortie, il avait disparu. Oh, tu devrais arrêter de te faire des idées, Claire. Vincent est un garçon de parole. Il nous a dit qu'il gardait Wendy et David jusqu'à notre retour. C'est tout de même pas le genre à aller faire une course en les laissant tout seuls. Ouais, c'est vrai. Mais j'ai quand même envie de monter voir. Bon. Va voir, comme ça, sinon tu vas nous en parler toute la soirée. Oh, oh oui, t'as raison. Sinon, je vais pas arrêter d'y penser. Salut. Oh, oh bonjour. Salut. Bonjour. Bonjour. Claire, tu ne montes pas voir Vincent? Ah, oh, non, non, c'est pas la peine, vous avez raison. Vincent est un grand garçon maintenant, hein. Je dois lui faire confiance. Je vous dérange pas, non? Non, non, pas du tout, venez, on va vous faire une petite place. Là. Merci. Je vous mets 30 kilos? C'est lourd, ça. Votre copain est pas avec vous? Tu sais, il a pris des bonnes résolutions, oui. Il écrit son roman. 20 pages par jour minimum à partir d'aujourd'hui. Waouh!
c'est énorme. À ce rythme-là, il l'aura bientôt fini, son roman. Ben, il vaudrait mieux, hein. Ça fait un an qu'il a commencé et il est à la page 3. Enfin, au début de la page 3. Ah. Mais si tout va bien, ce soir, il sera à la page 23. Oui, bon, ça fait longtemps que vous vous connaissez. Marc et moi, mais ça doit faire, oh là là, 10 ans maintenant. Oh, mais vous êtes amis, non? Ben, c'est mon meilleur ami. Quand je suis arrivé à Paris, je parlais pas un mot de français. Et j'ai loué une chambre chez ses parents. Et c'est lui qui s'est occupé de moi. Il m'a sorti, il m'a présenté ses copains. Ses copines, je suppose. Eh oui, et ses copines, comme vous savez. Bon, comme ça, c'est un féminin. Comme vous êtes comme deux frères, alors... C'est vrai, hein. On est comme deux frères. Et à part son roman, il ne travaille pas? Si. Il m'aide souvent quand j'ai fait des photos. C'est un garçon super. Oui, on n'en doute pas. On n'en doute pas. Mais si vous nous parliez un peu de vous... Oh oui, de vous. Qu'est-ce que c'est ça? Oula. Oh, ça, c'est joli, ça. Et ça... Adorable. Pas mal. Et on... C'est pas des murs, c'est papier à cigarette, ça. Mais dommage, faut que je me remette au boulot. Ah, j'en étais. Sandra entre dans la pièce. On va finir par le savoir qu'elle entre, celle-là. Voyons, ça pousse de partout, il y a un nid, là. Pourquoi tu regardes les bas de ma maman comme ça? Ah non, je la regarde pas, hein. J'étais assis dessus. Mais oui, je comprends. Bon, je vais jouer. Ouais, c'est ça. Va jouer. Alors, Wendy entre dans la pièce. Sandra entre dans la pièce, tu me fais tromper. C'est vrai que tu es amoureux de ma maman. Qui c'est qui t'a dit ça? Vincent, il arrête pas de me répéter que tu es amoureux de ma maman. C'est vrai? Bah. Je trouve que ta maman, c'est une femme charmante. Mais tu diras à ton copain Vincent qu'il raconte n'importe quoi. C'est dommage. Je dis que c'est dommage que tu ne sois pas amoureux de ma maman. Pourquoi tu dis ça? Parce que je te trouve sympa, j'aimerais bien que tu deviennes mon papa. Ah bon? Ben, on verra plus tard. On sait jamais. Oui, d'accord. Et je vais prier pour que tu sois amoureux de ma maman. Gentil, ça. Vas-y, prie. Elle a complètement chamboulé. J'ai la fille dans la poche. Où j'en étais? Sandra entre dans la pièce. Ça y est, j'ai prié. Maintenant, tu es amoureux de ma maman? Ah non, c'était drôlement rapide, hein. Il faut lui laisser du temps, bon Dieu. Ah bon, tu crois? Parce que ma maman m'a dit, quand on voulait quelque chose très fort et qu'on priait le bon Dieu, et ben ça se passait toujours. Ah mais tu sais, le bon Dieu, il lui faut un peu de temps, hein. Lui, là, on lui demande sans arrêt plein de choses. Il a plein de trucs à faire. Alors, il peut pas exaucer tout d'un seul coup. Oui, oui, je comprends. Mais tu crois qu'il va prendre beaucoup de temps pour exaucer le mien? Non, je crois pas. Ça va aller vite. D'accord. Mais qu'il fasse vite, parce que j'aimerais pas que ma maman tombe amoureuse de l'autre monsieur. Monsieur? Quel autre monsieur? Il y a un autre monsieur. Oui, l'autre gros qui travaille avec elle. Il est venu une ou deux fois à la maison. Et je l'aime pas du tout. Ah non, il y a du rival dans l'air, il faudra que je fasse attention. Et moi, est-ce que je plais à ta maman? Bah non, elle te trouve moche. Comment tu sais ça? Bah, l'autre jour, elle en parlait avec mes tatis et elle disait que tu étais gentil mais moche. Bah, je pars avec un handicap alors. Ça te fait pas de la peine à ce que je t'ai dit? Non. Je suis content de t'avoir gardé, comme ça j'apprends plein de choses.
votre métier, vous êtes soumis à toutes sortes de tentations. Et puis, avec toutes ces belles filles que vous fréquentez. Vous savez, les mannequins ne sont pas si belles que ça. Ah bon? Moi, je les trouve sublimes dans les magazines. Ouais, mais c'est peut-être parce que c'est notre métier de les rendre sublimes. Donc, ce qui compte surtout avec ces filles, c'est le maquillage et la lumière. Pour qu'elles aient un visage droit et régulier. Pour le reste, c'est comme la peinture qu'on met dessus. Vous voulez dire qu'elles ne sont pas toutes plus jolies que nous? Oh non. Je dirais même le contraire. Vous êtes beaucoup plus jolie que la plupart des filles que je photographie. C'est vrai. Il doit y en avoir de très jolies. Si, si. Mais en général, elles ne sont pas très intéressantes. Et de toute façon, j'ai décidé... Je ne vais jamais plus mélanger les sentiments avec le travail. Oh, vous avez raison. C'est une sage décision si on veut éviter les ennuis. Mmh. Mais vous avez bien une fiancée quelque part. Oui, elle est aux États-Unis. Enfin, je crois qu'elle est là-bas en ce moment. Elle, vous croyez? Oui, elle n'arrête pas de bouger. Elle est top modèle. Ah, ah. Je croyais que vous ne mélangiez pas les sentiments et le travail. Mmh. Je ne l'ai jamais photographié, sauf en vacances. On s'est connus à une partie chez des amis. Et je suppose qu'elle est très belle. Oui, mais en plus, elle a une âme, un peu comme vous. C'est une vraie femme. Ah? Et elle vous ressemble, d'ailleurs. À laquelle de nous trois? Bah, de toutes les trois. Elle a vos yeux, votre bouche et vos cheveux. Ah bah, elle doit être canon, alors. Je suppose que vous l'aimez? Oui, oui. Sinon, ça ne serait pas ma fiancée. Et vous êtes fidèle, vous? Ben oui. Pourquoi vous demandez ça? Bon, comme ça. Bon, ben, je crois que je vais remonter. Hein. Faut que j'aille m'occuper des enfants. Attends-moi, je viens avec toi. Eh ben, moi aussi. Mais vous partez déjà? Eh oui, les enfants, vous comprenez. Oui, je comprends, mais vous, je croyais que vous n'aviez pas d'enfant, vous. Oui, non, mais je dois partir. Allez, c'est jour. Eh ben, j'ai dû dire quelque chose qui ne leur a pas plu. Mais quoi? Hop! Non, mais pas trop, sinon je vais grossir. T'inquiète pas, hein. Toi, tu risques rien. Ça va, tu n'es toujours pas amoureux de ma maman? Voilà, je sens que ça vient, là. Tiens. Je vais prier pour que ça vienne plus vite. C'est gentil, ça. Moi, mets ça à la cuisine. Hein? Je viens avec toi. Ouais. Je vous avais dit, les filles, qu'on n'avait aucune chance. Eh oui. Ah, comme ça, au moins, c'est clair. On arrête de se faire des illusions. Il est fiancé et en plus, il est fidèle. Alors, circulez, il n'y a plus rien à voir. Oh, c'est vraiment dommage. Oh, il avait vraiment beaucoup de charme. Vous avez vu ses jambes sublimes. Oh, elles sont peut-être sublimes, ma petite Magali. Mais elles ne courent pas pour nous. Que veux-tu? C'est la vie. Ouais, eh ben, elle est nulle, la vie. Pour une fois qu'il y avait un type dont j'aurais pu tomber amoureuse. Mmh. Je me demande où est Vincent. Ok, bonjour. Hein? Mais qu'est-ce que vous faites là, vous? Et où est Vincent? Mmh. Alors, ça va? Maman, c'est super, le monsieur est en train de tomber amoureux de toi. Hein? Qu'est-ce que tu racontes, là? Vous inquiétez pas, c'est une blague entre nous. Oui, bon, excusez-moi, là, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous faites là? Et où est passé Vincent? Vincent m'a demandé de garder Wendy et le bébé pendant que lui partait faire une course. Une course? Mais où ça? Au Gigastore, je crois. Il partait acheter un disque des Rotten Baby. Les Rotten Baby? Mais c'est du hard rock, ça! Je lui ai interdit d'écouter cette musique de sauvage. Et vous, vous l'avez laissé faire? Excusez-moi, mais je savais pas. Ah, mais attends, Claire, Claire. Calme-toi, ne t'en prends pas à ce pauvre Marc. Et puis, c'est pas de sa faute s'il s'est fait avoir par Vincent. Oui, bon, t'as raison. Excusez-moi. Bon, et ça fait longtemps qu'il est parti? Ah non, je sais pas, 2 heures. 2 heures? Ça fait 2 heures que mon petit garçon traîne dans les rues et vous me l'annoncez comme ça? Je pensais qu'il avait l'habitude, moi. Oui, non, mais Claire, Claire, Vincent est un grand garçon. C'est pas un grand garçon, c'est un enfant. Et avec tout ce qui se passe dans les rues, avec les cars, avec les bus, avec tous ces fous qui traînent... Calme-toi, calme-toi. Écoute, le Gigastore, c'est pas à côté. Le temps qu'il fasse l'aller et le retour... Non,
Il a dû lui arriver quelque chose. Faut que j'y aille. Excusez-moi. Ouais, c'est un peu de ma faute. Hein. Je vais avec elle. Non, non, c'est pas la peine. Vous restez là. Vous appelez les polices, la pompier, la Croix-Rouge et je sais pas. Ouais, bah, pourquoi pas la fourrière, hein, pendant que tu y es. Je vais avec elle. Dans son état, faut pas la laisser seule. Tu as raison, maman. Moi qui voulais qu'il tombe amoureux de toi, eh ben, il est vraiment moche. Tu es là? Ça se voit, non? Mais je croyais que tu devais passer ta journée à écrire. Je le pensais aussi. Seulement, le petit monstre d'à côté en a décidé autrement. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, on nage en plein drame. Je me suis fait avoir en beauté par Vincent. Il m'a demandé de garder les mômes pendant que lui partait acheter un disque. Et il est toujours pas rentré. Quoi? Mais où elle est passée? Justement, j'en sais rien. On a fait toute la ville à pied avec sa mère. Comme si c'était évaporé. Comment ça? Mais vous êtes sûr que vous avez bien cherché partout? Tu parles. J'ai fait 4 fois les rayons du Gigastore. J'ai pris les escalators à l'endroit, à l'envers, à l'envers, à l'endroit. J'ai même été dans les réserves. Voilà, c'est pas possible. Sa mère doit être dans un état. On parle pas. J'ai laissé en larmes à côté. Elle est persuadée que son petit garçon s'est fait écraser par une voiture. Mais Marc, ça peut être possible. T'as vu l'heure qu'il est? Oui, bah je sais. De toute façon, on va pas tarder à le savoir, il est en train de téléphoner aux hôpitaux. Quoi? Mais tu les laisses seuls? Dans des circonstances comme celle-là? Mais tu es fou? Mais je t'ai dit que j'avais cherché partout. Qu'est-ce que je fais de plus, moi? Mais je sais pas, je croyais que tu étais amoureuse de ces filles, là. Oui. Dans les circonstances normales, oui. Et là, on est en plein Zola. Tu es fou, hein? Ça va pas? Ça ne se fait pas, ce n'est pas humain. Alors, on y va, viens. Où? Mais chez les voisines. On va les soutenir, on va voir si on peut faire quelque chose. Mais... qu'est-ce que tu veux faire de plus? Viens, je te dis. Mais Daniel... come on. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Ah, qu'on soit là, c'est déjà ça, non? Le standard, n'importe quoi. Bonsoir, on est venu pour voir si on peut vous aider. Oh, c'est gentil, merci. Entrez, Fanny est en train d'appeler les hôpitaux. D'accord. Oui, oui, je recherche un enfant. Oui, un petit garçon. Quel âge? 13 ans. Oui, bon, ben, un adolescent, si vous préférez. Oh. Blond, aux yeux bleus. Non, il n'a pas de signe distinctif, à part un nez au milieu de la figure. Si, un grain de beauté au pied droit. Ah, si, si, il a un grain de beauté au pied droit. Ah, ce n'est pas un signe distinctif pour vous. Non, ben, ce n'est pas un signe distinctif pour eux. Bon, de toute façon, vous n'avez pas d'adolescent de cet âge-là ce soir, c'est ça? Oui, dans un sens, tant mieux, oui. D'accord, je vous remercie. Au revoir. Non, il n'est pas là non plus et c'était le dernier. Oh, mon petit garçon! Mon petit garçon! Tiens, calmez-vous. Je vous en prie, calmez-vous. Oh, Daniel, c'est affreux! Ok. Mais il y a une raison pour qu'elle en profite, hein? Oh, tais-toi, toi, c'est pas le moment, là. Bah, va le faire regretter de pas avoir eu d'enfant. Que je fasse quelque chose, à manger, par exemple? Oh, non, 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 c'est pas le moment, vous non plus. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? On a appelé tous les commissariats, tous les hôpitaux, rien, il est nulle part. On pourrait peut-être draguer la scène. Oh, un satyre! Mon petit garçon a été enlevé par un satyre! Calmez-vous, calmez-vous! Un satyre? Ah non! Mais non, non! Un satyre! Ne vous inquiétez pas! Mon petit garçon! Ne vous inquiétez pas! Non, non, non! Un satyre! Les meufs! Bon, d'accord, vous êtes chez vous. Mais les surbombes, vous pourriez les arrêter à minuit. D'où tu sors, toi? Bah, je dormais tranquillement dans ma chambre, jusqu'au moment où je vous ai entendu crier comme des folles. Et je vous rappelle que je commence à 9h, moi, demain matin. Oh, Daniel! Eh bien, comment ça se fait qu'on ne l'a pas vu entrer? Mais comment tu veux que je te réponde, moi? Je l'avais vu entrer, je vous l'aurais dit. Et pourquoi ce petit monstre aussi, il m'a pas dit qu'il était rentré? Et tu es sûr qu'il était resté dans le salon? Ah oui, puisque j'étais avec la petite. La petite Wendy. Peut-être été à la cuisine une ou deux fois, mais c'est tout. Hein. Oh, cet andouille, il m'a pas dit qu'il était rentré aussi. Hein. Bon, écoute, on va éclaircir ce mystère plus tard. En attendant, je te propose qu'on aille se coucher, puisque tout va bien maintenant, n'est-ce pas?
Mais qu'est-ce qu'elles vont penser de moi maintenant? Hein? Marc, qu'est-ce qu'elles vont penser de moi? Marc, ça suffit! Oh là là! T'as essayé de leur rendre service, c'est tout, hein? Ok, allez, bien. Je suis grillé, moi. Qui ça peut être à cette heure? Ben, ouvre, tout verra bien, non? Vincent, encore! Salut! Enfin, les femmes se sont calmées. Vincent, qu'est-ce que tu fais là? Je viens de vous le dire, je viens de vous prévenir que les femmes s'étaient calmées. C'est déjà ça, non? Attends, elles t'ont laissé sortir? Oui, vous inquiétez pas, je leur ai dit que j'allais m'excuser auprès de vous. Attends, t'es sûr qu'elles t'ont laissé sortir? Écoutez, après le psychodrame qu'on vient de vivre, je vais pas courir un tel risque. Ça y est, c'est oublié, Vincent. Voilà, parle pour toi. Marc? Non, merci, c'est cool. Je pourrais parler à Marc en particulier? Ça dépend. Je vois, je gêne, mais d'accord. Bonsoir. Bon, hey, si c'est pour me demander de garder les enfants, c'est non tout de suite. Hein. Qu'est-ce que tu veux? Bah, je voulais vous dire que j'étais désolée pour ce qui s'est passé. Vraiment navré. Bon, d'accord, c'est oublié. Mais c'est grâce à Daniel. Hein. Parce que moi, j'aimerais bien quand même que tu m'expliques quelque chose. Oui, si vous voulez. Comment t'as fait pour rentrer? Bah, par la porte. Par la porte. Et après, t'es allé où? Dans ma chambre, j'ai écouté le disque de Rotten Babies avec mon casque. Puis après, je suis allée me coucher. Alors, si t'es rentrée par la porte, comment ça se fait que moi, je t'ai pas entendue? Écoutez, vous étiez tellement occupée à examiner le sous-vêtement des meufs que j'ai pas voulu vous déranger, comprenez? Comprenez, c'est pour ça que tout à l'heure, j'ai évité les explications trop longues. J'ai bien fait, non?